Moi, je suis tout fraîchement sorti de l'école de Condé à Paris. Et en fait, j'ai très tôt mis mes images sur Internet, sur une plateforme qui s'appelle Behance, qui est un genre de Facebook pour artistes. Et en fait, à la fin de ma dernière année d'études, j'ai été contacté par Le Seuil pour faire mon premier livre, le livre des chevaliers. Et ça, grâce à la plateforme Internet qui m'a fait connaître et repérer, en fait. Et donc, ensuite, ça s'est enchaîné très vite. Il y a eu ce premier livre qui a été vu ensuite par une petite boîte de jeux vidéo qui ensuite m'a donné un travail de direction artistique sur un projet de jeu vidéo. Et ensuite, ça a enchaîné avec La Martinière Jeunesse qui avait vu mon travail sur les chevaliers. C'était dit que je saurais illustrer les grandes dates de France. Et ça, c'était encore une super opportunité parce que je sortais du Moyen-Âge et j'ai pu montrer que je savais dessiner un peu autre chose que des chevaliers. Et y avait des dates modernes, donc jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ces dates-là, je les ai postées sur ce fameux site Behance. Ces dates-là ont été repérées par d'autres clients et ainsi de suite. Et aujourd'hui, en fait, je dirais que ma carrière s'est lancée vraiment grâce à cette plateforme Internet. Et maintenant, je fais beaucoup de choses différentes et beaucoup plus de choses. Enfin, beaucoup plus de dessins pour la presse adulte, et ça va des sujets sur l'économique, et maintenant c'est beaucoup la science-fiction. Donc voilà, je suis super heureux parce que j'ai commencé par mon premier sujet de prédilection qui était le Moyen-Âge, les chevaliers, etc. Et là je suis dans mon deuxième sujet préféré qui est la science-fiction, le futur et tout ça. Donc voilà. Parce qu'on peut vite être enfermé dans un style ou dans un domaine, et on est après appelé que pour un seul domaine d'illustration. Et en fait, de boulot en boulot, le fait que j'ai été amené à dessiner des choses différentes, je me suis pas enfermé dans une période de temps comme le Moyen-Âge ou etc. Et donc j'espère que ça continuera à faire ça, c'est-à-dire constamment me propulser sur de nouveaux sujets, et comme ça rend le travail toujours nouveau, et voilà.